J'espère que vous allez bien. On se retrouve un dimanche matin. Il est le combien? Le 21, c'est la fête des pères. Donc, s'il y a des hommes qui passent par là, je vous souhaite une très très bonne fête des pères. Même si vous aurez cette vidéo que dimanche. J'attaque, il est 9h15. Je me suis pas démaquillée hier soir. Clairement, hier, ça a été une journée très très intensive. Je suis allée faire le shooting photo de mon frère et de ma belle-sœur qui est enceinte. Après on s'est baigné et après on a profité de l'extérieur et après on a tous mangé ensemble. Et hier soir j'étais complètement KO. Voilà, ça, en plus la piscine ça m'a démonté. Hier, je sais pas si vous voyez aussi, mon frère m'a fait un petit changement. J'ai coupé la planche en fait. Ma grande planche, nous l'avons coupée en deux. Et là je vais aller tout ranger parce que hier on a fait que ça quand on est sorti de la piscine. Là je vais aller tout ranger et une fois que j'aurai tout rangé, j'irai me préparer accessoirement parce que là ça fait peur. Clairement ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Et faut que je fasse les cadeaux de fête des pères pour mon papa et je voudrais faire deux petits trucs pour mes deux frères parce que ce soir nous mangeons tous ensemble à la maison. Alors je vais vous parler de quelque chose, mais je vais attendre la confirmation. Normalement, début juillet, il risque d'avoir du changement ici. Pourquoi ? Parce que mes pièces sont juste géniales. Alors, je ne sais pas si je laisserai cette séquence. Si vous avez cette séquence, c'est que ça aura marché. Si vous n'avez pas cette séquence, c'est que ça n'aura pas marché. Tout simplement, ces pièces sont géniales, mais il y a trois pièces. Trois pièces et il n'y a pas énormément d'espace tout autour. Et j'ai deux plans de travail, je veux quelque chose, il faut que j'aille dans la pièce d'à côté, nanana. Donc, avec mon frère, on a bien réfléchi. Vous savez que, enfin, pour celles qui me suivent depuis un moment, savent comment ma maison est et que j'ai deux garages. Donc, à la base, je voulais faire le garage qui se situe sous chez moi, tout simplement, pour avoir directement mon entrée, je rentre, je sors, machin. Sauf que ce garage là est pour la voiture l'hiver et pour mon chien. Voilà, mon chien, on laisse la porte ouverte l'été et il a accès, voilà, bref. Et mon deuxième garage, c'était un garage de dépotoir, on va dire. Et on a bien regardé, ici en tout, j'ai 24 mètres carrés, sauf que, bien évidemment, il y a les... Il y a les murs, il y a le placard où j'ai les rideaux. Donc, au final, je perds énormément de place. Et puis, c'est sur la longueur, c'est compliqué. Donc, on a réfléchi. Nous sommes allés mesurer le garage du fond avec mon frère. Et je vais te demander l'autorisation. On est par agence immobilière. Donc, j'ai envoyé hier soir un mail à l'agence immobilière. Lundi ou mardi, elle va me répondre. Je lui ai demandé de voir avec la propriétaire si je pouvais aménager mon garage. Bien évidemment, à mes frais. Donc, il y a du lambris au plafond. Donc, qui dit lambris, donc c'est isolé déjà par le haut. Donc, le lambris sera peint en blanc. Tout simplement, ça sera des pièces blanches. Enfin, une pièce blanche. Et tout le reste, il faut l'isoler avec du placo, de la laine de verre et tout. Mon frère est plaquiste. Donc, on a tout calculé. Les frais que ça allait me coûter, ça va me coûter une petite somme, une belle somme même. Donc ça, bien évidemment, faut refaire le parterre. Donc j'ai refait le parquet ici, mais je vais devoir refaire le parquet là-bas. Je pense pas que je vais mettre celui-là, j'en ai vu un à 20 centimes moins cher. S'il y est, je prendrai lui. C'est du parquet. Bon, je vous dis ça, mais autant je reprends le même, hein. Je sais pas. Mais je prendrai pas plus cher. Après il suffit de mettre un coup de blanc. Donc en fait c'est un grand rectangle tout simplement qui fait 22 mètres carrés. Donc au pire je perds 2 mètres carrés. Mais là déjà en comptant les cloisons, la place que je perds par rapport aux cloisons, etc. Donc en fait j'ai fait les croquis. Cette semaine je voulais faire voir si ça a marché. Si ça n'a pas marché je resterai ici. Malheureusement je n'aurai pas le choix. Bon c'est déjà très très bien. Mais je vous avoue que déjà rien qu'ici, en fait je ne peux pas faire d'atelier. Maintenant que j'ai mon numéro SIRET, que tout est dans les normes, je veux faire des ateliers. Je veux vraiment faire des petits ateliers avec des petites communautés. Là si je fais avec 3 personnes, on n'a pas de place. Je ne peux pas passer d'un côté ou de l'autre, on n'a vraiment pas de place. C'est un petit peu galère, je vous avoue que c'est vraiment un petit peu galère. Voilà, là ça me ferait un gigantesque plan de travail. Ça voudrait dire que je réunirai mes deux plans de travail. Alors sur celui que j'ai là-bas, peut-être deux planches de celui-là, parce qu'ici j'ai
deux, trois plans, enfin j'ai trois planches. Mais peut-être que j'en mettrai que deux et j'en garderai une de côté, c'est fort possible. Mais ça va faire un très très grand plan de travail. Je veux un plan de travail en fait en plein milieu de la pièce. Je veux un plan de mur avec toutes mes étagères, dont toutes celles-là et toutes celles-là réunies sur le même truc. Mes quatre étagères-là, je les veux toutes ensemble. Et après, il me restera ces deux meubles-là, mon bureau et mes rascoles, bien évidemment. Et deux, trois bricoles. Sachant que là-bas, en fait, si vous voulez, j'ai mon garage et j'ai un truc comme ça couvert où là j'ai tous mes cartons sur la porte d'entrée. Et là-bas, j'ai des grands placards, on va dire, comme j'ai là en fait. Donc, comme je me suis dit, je vais les récupérer. Je vais me faire des rangements pour tout ce qui est carton. Je vais en prendre un pour tout ce qui est carton. Un pour tout ce qu'il faut que je garde ici. Maintenant, ce que je peux laisser ici, je laisserai ici. Ça prendra pas la poussière. Et voilà, ils vont me servir de stockage. Et j'ai les rideaux ici. Donc, je vais pouvoir récupérer mes rideaux là-bas et les mettre là-bas. Sachant que mes frères, si on le fait, ils vont me clôturer. Ils vont me faire quelque chose avec des parpaings, j'ai pas compris. Bon bref, ça sera beaucoup mieux. Et en fait, on a calculé si je mets mes plans de travail. Si je mets un côté de mes étagères, j'ai 1,30 m de chaque côté pour circuler. Et 1 m sur les côtés opposés. Donc ça veut dire c'est où il y a il y aurait mes étagères, les plates comme ça. Donc mes étagères, elles sont plates comme ça. Donc au final, je vais avoir 80. 80, je les ai pas là. Je les ai pas du tout là où je vous montre. Hop, je les ai pas du tout ici quand moi je passe. Je les ai pas du tout les 80. Et de l'autre côté, je compterais bien mettre mon bureau. Donc j'aurai moins. Mais ça, c'est à voir une fois. Parce que si en plus je mets pas les 3, j'aurai largement plus de place. Mais déjà, 1 mètre et 1 mètre 30, là je les ai pas. Là j'ai 50. Là j'ai la place de ma truc, j'ai 50. Ouais. Faudrait que je mesure, mais j'ai vraiment pas plus. Donc ça serait vraiment très 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 bien. Et bon, ici, si vraiment nous le faisons, on le ferait, je pense, début juillet. Dans moi, début juillet, j'avais prévu quelque chose, mais je pense que je vais le reporter en août parce que là, financièrement, je pourrais pas faire les deux, c'est pas possible. Mais bon, ça, voilà, j'en discuterai avec la personne concernée. Et ici, qu'est-ce que ça va devenir? Il y aura une pièce qui va être consacrée au sport. Nous avons un gros, gros truc de muscu, d'angle en fait, c'est un gros truc. J'aurais aimé mettre ça, essayer de me trouver un tapis de course et essayer de faire un petit peu de temps en temps du sport. La pièce du milieu restera une pièce de stockage pour des choses qu'on a à stocker, que je vais récupérer de là-bas, que je vais venir mettre ici. Beaucoup de tri va être fait là-bas parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de carnage. Je veux réaménager mon garage d'en bas pour pouvoir mettre des trucs de là-bas. Et la troisième pièce, je pense que je vais mettre le baby-foot. Je voulais mettre le billard, mais le billard ne rentrera jamais ici. C'est pas possible. Il aurait pu peut-être rentrer dans cette pièce-là. À voir. À voir parce que si le billard est autant. Eh non, passera pas. Ça sera trop. Non, ça sera trop juste. Le billard, ça sera trop juste. Mais pourquoi pas mettre le baby-foot dans l'autre? Comme ça, mes petits ont accès par là-bas. À la base, je voulais leur faire une pièce de jeu, mettre la play, la télé, etc. Leur faire vraiment un coin à eux. On verra. On verra. On verra de toute façon si je fais tout ça. Je vous tiendrai déjà informé ici. Bien évidemment, cette semaine, moi, je vais mettre. Faudrait que je clôture toutes mes commandes, hormis les cadres qui sont ferait, seront faits dans les semaines à venir. Mais toutes les commandes que j'ai fait à faire, j'aimerais bien que cette semaine, pour vendredi, tout soit fini. Là, j'en ai à expédier. Je vais les expédier au fur et à mesure cette semaine. Les autres vont partir au fur et à mesure cette semaine et début de semaine d'après. Et au moins que je sois tranquille pour les commandes. Et si j'en ai d'autres qui arrivent, bien évidemment, j'agencerai. De toute façon, les travaux vont prendre au moins une semaine entre le placo, peindre, le parquet. Après, réaménager, on n'en parle pas parce que là, il y a du boulot. Il y a du boulot, je l'ai fait, je vais le refaire s'il faut. Et puis, de toute façon, voilà. Mais voilà, si j'ai l'accord, tout va changer. Donc, vous aurez eu cette séquence. Si vous n'avez pas eu cette séquence, c'est que ce que je voulais faire n'a pas abouti. Et du coup, je ne vous en parlerai pas. Voilà. Donc, moi là, 9h20, je blablate, ça fait 9 minutes que je vous blablate. Je vais aller ranger tout ici. Finalement, je pense que je vais enlever le bureau, la lightbox, je vais la mettre là, dehors. Parce qu'ici, vu que maintenant j'ai les rideaux, la poussière, j'en aurai pas. Je voulais la mettre au mur, mais au mur, ça va pas le faire. Il me faut une grosse étagère et j'en ai pas. Voilà, donc allez, je vais réaménager ça, faire tout ce que j'ai à faire ce matin, après prendre une bonne douche. Et puis cet après-midi, on verra ce que je ferai. Je pense que cet après-midi, je vais me reposer. Allez, je vous ferai voir tout à l'heure le petit changement qu'il y aura eu encore une fois ici.
Bon, ça y est. Oh là là, quelle tête. Vivement que j'aille me préparer. J'ai changé. Donc finalement, j'ai enlevé toutes les décos, hormis ça en bas. Pour le moment, c'est dans le carton. Je vais aller m'occuper de bien tout emballer, le reste que j'ai posé dessus. Et puis, je vais aller le stocker ailleurs. En attendant que j'achète des étagères, si c'est dans cette pièce. Et si ça sera ailleurs, eh ben, il faudra que j'achète de toute façon aussi. Donc du coup, j'ai, bon, c'est un petit peu vide, hein. Il y a une case là, vous voyez, qui a rien. J'ai mis en fait tout ce qui est de couture. J'ai toujours par contre laissé les décorations là-bas, voilà. Et du coup, hop là, j'ai mis mon bureau. Alors attendez, hop. Voilà, donc du coup j'ai dégagé tout ici. Bon, j'ai laissé la rigole que j'avais fait. J'ai mis comme ceci. Donc du coup, bon là c'est la chaise que ma belle-sœur va avoir besoin. Donc là pour le moment il y a juste la table à repasser. Je sais pas trop où la mettre, mais hop là. Ici du coup j'ai remis pareil. Voilà, pour l'instant je l'ai mis là, je l'ai pas mis dehors. Finalement elle ne me gêne pas. Donc là on peut ouvrir les trucs là, de toute façon c'est que de la couture. Et du coup j'ai mis mon plan de travail comme ceci. Comme ça j'ai de la place bien comme il faut. Là c'est ce que je me sers jamais, jamais. Et puis de toute façon j'ai juste à ouvrir le rideau. C'est pas plaqué non plus. Et puis voilà, comme ça ici il y a petit coin pour repasser les petits trucs. Ici il y a ma machine à coudre avec le pied. Et ici pour la coupe, voilà. Comme ça j'ai beaucoup plus d'espace aussi pour la coupe ici, voilà. Et puis bah écoutez, moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et de l'autre côté, voilà. Et là, j'ai mis ma poubelle. Voilà ce que ça donne. Décidément, tous les dimanches, je change. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les cadeaux pour mes deux frères et pour mon papa en plus. Ma fille, vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit qu'elle avait amené des cadeaux à son papa. Sa grand-mère a fait tomber un des porte-clés, il s'est pété. Donc du coup la truc transparente s'est pété. Donc ben, quand elle va revenir ce soir, parce que moi demain ils reprennent l'école au moins pour une semaine les 4. Donc du coup j'ai pas le choix, c'est comme ça. Ils reprennent demain, donc du coup ils reviennent ce soir. Donc quand elle arrive je vais remettre le glossy plus le cabochon par dessus. J'ai dit par contre tu ne touches pas, hein. Il touchera pas jusqu'à que ça soit sec. Mais du coup là je vais faire les cadeaux pour mon père, pour mes deux frères, et après j'irai me laver. Et puis après farniente, je crois que je vais profiter du jardin, de la piscine, parce que hier je l'ai débâché quand en fin de matinée elle était à 23, là je l'ai débâché tout à l'heure, elle était à 25. Et il faut aussi que j'aille étendre ma machine que j'avais complètement oubliée. Donc on se retrouve un petit peu cet après-midi. De toute façon c'était juste pour vous faire un petit coucou ce dimanche. Puis voilà, cet après-midi je serai beaucoup mieux. Clairement je pense que je serai beaucoup mieux. Allez, on se dit à tout à l'heure. Bon, me revoilà avec une meilleure tête. Il est 4h moins le quart. Je vous reprends que maintenant. Pourquoi? Parce que ce matin, qu'est-ce que j'ai fait quand je vous ai laissé? J'ai préparé... C'était ma fille. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que ce matin? Voilà, donc ce que je vous faisais voir, c'est que j'ai préparé les cadeaux. Voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait la chambre de mon fils à fond, son placard. Des vêtements à fond qui était le bordel. Ma fille a fait sa chambre à fond parce que vu que demain reprise de l'école, je voulais que ça soit tout nickel. Comme ça moi demain matin, là ce soir j'ai du monde, j'ai tout le monde pour manger ce soir pour la fête des pères. Donc du coup je ferai mon ménage que demain matin. Moi demain vers 10h j'ai ma belle-sœur qui vient me filer la main. On va essayer dans la journée de faire 3 fois 8 sopalins. Comme ça moi je les couds. Elle me les retourne, elle me les repasse. Je peux faire la surpiqûre. Et après, on fera les pressions. J'aimerais bien que demain, on puisse faire ça toutes les deux. Ouais, ça va vraiment beaucoup m'aider. Comme ça, moi, pour toute la semaine après, j'aurai tout clôturé. Parce que là, les semaines à venir, je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller. Si je vais pouvoir faire ce que je veux faire dans quelque chose d'autre chez moi. Si c'est le cas, il va falloir que je vide ici tout. Donc ce qui veut dire vider, ranger, trier. Ouais, ça risque d'être beaucoup 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 de boulot. Là je suis encore allée voir là-bas parce que j'ai fait ce matin du coup bien au propre mon croquis de ce projet-là. J'attends la réponse mardi avec impatience, vraiment impatience.
Et donc voilà, il faudrait que cette semaine j'arrive à me mettre à jour sur tout, 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 hormis les cadres. L'album que j'avais à faire de Cosmos, finalement, il sera pour début juillet. Enfin, il faudra que je le fasse début juillet, ce qui me laisse du temps du coup. Et peut-être que la semaine prochaine, j'essaierai de scraper. La semaine prochaine, je vais essayer de scraper, c'est même sûr. Même si je dois tout changer, de toute façon, ça ne sera pas la semaine prochaine, ça sera que la semaine d'après. Donc, du coup, ouais, je pense que je vais scraper la semaine prochaine. Et là, tout à l'heure, donc ce matin, mon vlog paraît. Hein, et puis, je vais voir. Voilà, je vais checker. Et là, figurez-vous que les 12 gentilles personnes qui m'ont mis les pouces en bas, je vous en remercie. Hein, voilà. Mais si vous n'aimez pas ce que je fais, ce que je dis, etc., passez votre chemin, désabonnez-vous, enlevez-vous. Voilà. Petit aparté, parce que avant j'en avais 6-7, maintenant ça va jusqu'à 12-15. Hein, donc, à la place de mettre des petits pouces en bas, sachant que les pouces en bas m'aident à monter sur YouTube, hein, désabonnez-vous et arrêtez de regarder mes vidéos, c'est le mieux. Hein. Parce qu'en plus de ça, vous mettez des pouces en bas, mais il n'y a personne qui est capable de mettre un petit message dessous. Voilà. Bref, petit aparté, ça me fait rire, mais bon, ça m'aide à monter sur YouTube. Donc merci, 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 merci. Bref, petit aparté. Donc là, moi, je vais aller déjeuner parce que j'ai faim. J'ai pas trop mangé à midi, j'ai faim. Je vais aller voir où en est ma brioche. Je vais la faire dégazer pour qu'elle remonte ce soir. Faut que je décongèle du pain. Il y a beaucoup de vent, donc j'espère que ça va pas nous embêter pour cet après-midi, enfin pour fin d'après-midi, voire ce soir. Moi là, je pense que je vais attendre 5 heures. Je vais faire baigner les petits parce que l'eau est à 27, donc c'est bon. Même s'il y a du vent, c'est bon. Moi, je tremperai peut-être que les pieds. À la rigueur, peut-être que les pieds. Et puis voilà. Donc nous, ce soir, petite soirée en famille. Et puis voilà. Donc demain, je viendrai vous faire un petit coucou. J'ai loqué. J'ai loqué, ça promet. Demain matin, je viendrai vous faire un petit coucou et je reviendrai vous faire un petit coucou que dans la fin de l'après-midi. Pourquoi? Parce que ma belle-sœur va être là et je vais pas la filmer. Voilà. Pareil, je leur ai fait des carreaux. En sublimation avec les photos, donc je les aurais mis sur la boutique aussi. Franchement, le rendu d'une photo sur un carreau, c'est 100 fois plus joli que sur une ardoise. Magnifique, magnifique, magnifique. Là, il va falloir que je rachète des choses en début du mois de sublimation. Donc, il va me falloir des tasses que je n'ai toujours pas commandées. Les tasses, du papier, il va me falloir des ardoises forme de cœur et je voudrais les carreaux. Mais là, j'avais pris en 15-15. J'aimerais bien les prendre en plus grand. C'est trop beau. C'est trop, 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 trop joli. Voilà. Allez, moi je vous dis à demain. Demain, je viendrai vous faire un petit coucou dès que je peux. Et puis voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Et coucou, nous sommes lundi, j'en sais rien, lundi 22 juin, la reprise de l'école. Il est 8h10, donc les deux petits sont partis, les deux grands vont partir pour 9h moins le quart parce qu'ils attaquent à 9h. Je suis pas fan qu'ils rattaquent l'école aujourd'hui, mais bon, d'un autre côté, je me dis qu'allez, déjà ils vont y aller cette semaine, la semaine prochaine on verra. Donc le bac que j'ai ici de tous les devoirs, je vais le mettre de côté, on n'en a plus besoin, je pense qu'on révisera tout au long de l'été, puis je vais aller leur acheter un... carnet de vacances, enfin un cahier de vacances plutôt. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je vous ai laissé? Donc du coup, je m'étais reposée, j'ai profité du jardin, j'ai mon papa qui est venu avec mes frères, on a mangé dehors. Bon, bien sûr, j'étais encore malade, hein, j'ai réellement un gros problème, je sais pas. On va voir les résultats dans un mois. Aujourd'hui, là, je vais filmer ma vidéo de la FAQ, comme ça vous l'aurez eu déjà dans la semaine à l'heure de ce vlog. Et après, ma belle-sœur va venir. Je vais aller acheter deux t-shirts qu'il faudrait absolument que j'expédie pour mercredi. Cet après-midi, en fin d'après-midi, je vais préparer les deux colis que j'ai là et les deux enveloppes. Comme ça, les deux colis vont aller dans ma boîte aux lettres. Et les deux enveloppes, mes enfants les poseront demain matin en passant. Comment dire, en passant devant la truc de la poste. Comme ça, moi, mardi, je ferai les deux t-shirts qui partiront aussi peut-être dans la journée, voire mercredi. Et ma belle-sœur va venir aussi. Bon, j'ai deux courses à faire. Et on va essayer de faire. J'ai trois rouleaux de sopalin à faire. Ce qui serait juste génial, c'est que moi, un et demi soit fait. Si on peut faire les trois, tant mieux. Alors là, si on peut juste faire. Comment dire?
tous les morceaux, etc. Ça serait top. Comme ça, j'aurais que à la rigueur les pressions à mettre. Moi, j'aimerais bien essayer d'en faire au moins un entier aujourd'hui. Comme ça, je peux le mettre dans le carton de la personne qui a déjà un album et le faire partir dès demain. Enfin, il va être récupéré demain les deux autres. C'est comme ça, hein, voilà. Je le fais aujourd'hui, ça part demain. Et comme ça, au moins, dès qu'il s'est récupéré dans l'après-midi, je le repose et mercredi, il partira. Comme ça sera fait. Et si j'y arrive, ben, du coup, faire les deux autres. Mais voilà, on va pas se mettre la pression. Moi, je suis très, très, très fatiguée là en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, j'ai beaucoup de choses à faire hors ma boutique, hors le scrap, etc. Je pense pas avoir le temps de faire un album cette semaine, mais la semaine prochaine, je vais me poser, je vais en faire un. Pareil, j'ai des trucs qui ont été commandés, donc il faut que j'aille les marquer là-bas. Et puis voilà. Donc là, moi, je vais faire ma FAQ et on se retrouve dans la journée. Je pense que ça sera qu'en fin d'après-midi parce que ma belle-sœur va venir, donc je vous ferai un petit point de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et à midi, on va profiter de l'extérieur, de manger dehors. En plus, il reste tout l'apéro et tout de hier, donc mon repas est fait. Et je pense qu'en fait, après, on se baignera. On va profiter. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, ben voilà, il est quelle heure? Il est 3h10. Ma belle-sœur vient de repartir, donc c'est le chantier. Hein. On a travaillé à deux. Je suis passée à Zeman. J'ai acheté le lot de t-shirts donc pour faire marraine et bébé. Et un t-shirt blanc pour me refaire un t-shirt. Et puis, je me suis acheté un maillot de bain. Et je me suis acheté un autre t-shirt. Là, nous avons fait les deux cotons lavables. Sopalin lavable. Et là, j'ai plus que ça à faire, mais ça, je le ferai demain. En fait, c'est deux motifs différents. La personne voulait ça. Là, ils ont été tout retournés, etc. Repiqués. Il me reste à couper les petits fils. Oh, j'ai soufflé et mettre les pressions, mais ça je le ferai demain matin. Je suis trop, 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 trop contente. Donc demain, programme, finir ça, emballer deux trucs qui n'ont pas été emballés, tout mettre les bons, etc. en suivi et en colissimo. Et je ferai un lot de t-shirts, donc le lot de t-shirts noirs, parce que comme ça mes enfants dans la journée le mettront dans la boîte aux lettres. Comme ça partira mercredi et je me ferai mon t-shirt. Voilà le programme de demain. Mercredi, par contre, je pense que mercredi je vais faire toute la sublimation que j'ai à faire parce que j'en ai eu beaucoup. Donc je ferai ça. Jeudi, je vais faire un coussin et si j'ai le temps, je vais essayer de faire un vanity. Comme ça, il me restera pas énormément de choses. Et j'ai une boîte à mouchoirs. Donc ça, boîte à mouchoirs vanity, je pense que je ferai vendredi. Mais si au cas où demain je fais plus de choses, je barrerai au fur et à mesure. Mais je suis trop, trop, trop contente là. Donc là, je vais tout nettoyer parce que quand on fait du sopalin, ça en fout de partout et j'en ai deux partout, partout, partout. Je vais tout nettoyer parce que sur les coups des 4h, 4h30, comme d'habitude, j'ai mon frère qui va passer me voir, comme quasiment tous les jours. Et puis voilà, mais je suis très, très, très contente. Donc, ma belle-sœur, si tu passes par là, je te remercie. Vraiment, elle a géré parce que moi, je me suis occupée de tout ce qui est couture et elle m'a fait mes morceaux et ça m'a énormément avancée. Je suis trop, trop, trop contente, voilà. Puis nous après ça va être direction la piscine et puis je vais mettre mon nouveau maillot de bain, voilà, même si vous en foutez. Et là je suis en train de réfléchir, j'ai commencé à regarder, je vais acheter une deuxième presse parce que j'ai qu'une presse et c'est vrai que quand je fais beaucoup de sublimation, une presse ça suffit pas, voilà, ça suffit pas. Donc je pense que courant du mois d'août, je vais acheter une deuxième presse. Je pourrais pas en juillet. Et puis si je change pas de pièce, je pourrais pas. Par contre, si je change de pièce, oui. Parce que ouais, une c'est juste. C'est juste. Je voulais prendre plus gros, mais je pense que je vais prendre le même. La même chose. Voilà. J'ai commencé à checker un petit peu. Et puis voilà, il fait une chaleur. On a mangé dehors à midi. Il fait trop, trop, trop chaud. Ma belle-sœur qui est enceinte, elle me dit qu'ici il fait trop chaud. Moi, je trouve qu'il fait frais, justement. Mais j'ai récupéré mon ventilateur, je pense que je vais pas tarder à le mettre ici parce que je vous avoue que là que je viens de sortir, rentrer, il fait très chaud. Voilà. Bon, ben moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai rien de plus à vous dire. On se retrouve demain. Demain sera mardi. Voilà, normalement, qui dit mardi dit je n'ai pas les deux petits. On verra bien. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Bye bye. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc il est 8h27. Je viens d'arriver il y a quand même un petit quart d'heure. Mais figurez-vous que hier j'ai tourné ma vidéo FAQ. Et je n'ai pas le début de la vidéo. Donc j'ai retourné le début de la vidéo maintenant. Et ben, vous aurez deux têtes du aujourd'hui et du hier sur ma vidéo. Mais c'est pas grave, je n'avais pas envie de refaire toute la vidéo. Et puis voilà, là c'était sur l'instant. Donc voilà, j'allais pas tout refaire aujourd'hui.
aujourd'hui ça aurait été truqué. Donc moi là aujourd'hui, là je vais aller faire le montage de mon de ma FAQ, comme ça elle le charge pendant que je travaille. J'ai du boulot ce matin, j'ai des t-shirts. J'ai mon t-shirt à faire, je veux emballer des colis et j'ai un autre sticker qui m'a été commandé pour rajouter dans une commande qui était terminée. Donc je vais voir pour faire ça dans la journée et j'aimerais bien essayer de faire au moins un vanity parce que ma copine part ce week-end et il lui faut avant ce week-end. Et si j'y arrive, je dis bien si j'y arrive parce que c'est pas dit, faire un autre vanity. Voilà mon programme et cet après-midi je ferai pas trop tard. Pourquoi? Parce que je pars chez ma mère et il faut que voilà, je me lave les cheveux, etc. Je veux quand même être apprêtée pour aller chez ma mère. Donc moi je vous dis à plus tard dans la journée parce que là c'est, je vais travailler, donc rien de transcendant pour vous. Nous il fait toujours aussi beau et chaud et ça fait super plaisir. Voilà, allez, on se dit à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve que maintenant, il est quelle heure? Il est 18h21, je suis apprêtée. J'ai bien travaillé aujourd'hui, j'ai fait plein de choses. J'ai même préparé une enveloppe que je vais aller poster en allant chez ma mère. Parce que d'ici une petite demi-heure, je pense que mon frère va venir me récupérer. Et regardez ce que je me suis fait. Voilà, je me suis fait un t-shirt. Et en bas dans le dos nous avons Charlène me fatigue. Voilà, j'avais très envie de faire ce t-shirt. Ça fait déjà 2 semaines je crois, quelque chose comme ça, que je me suis dit faut que je le fasse. Là j'en avais profité pour aller acheter un t-shirt. Donc demain j'ai prévu juste de faire un nuage personnalisé et un stickers. Alors je vais faire déjà le nuage en lui-même et après tout le reste je ne sais pas. Au moins déjà le nuage plus le flocage. Je vais essayer de faire le vanity pour ma copine et le stickers. Je ne ferai rien d'autre parce que c'est mercredi et j'aimerais bien me reposer un petit peu mercredi après-midi parce que j'ai très mal à la tête. Mais en même temps mes lunettes sont ici. Voilà, et je ne pense pas à les mettre. Et vu que j'ai travaillé beaucoup aujourd'hui, je ne les ai pas mis. J'avais dit que je ne ferais pas énormément, mais finalement j'ai bien travaillé. Hein. J'ai tout marqué ce que j'ai fait. Donc demain, ça sera un petit peu plus cool. Sachant que j'ai avancé déjà pour ma commande de jeudi. Donc voilà, j'avais prévu quelque chose à faire jeudi, mais j'ai attaqué déjà aussi. Et puis voilà, il fait trop chaud. Je parlais à mon beau-père quand il est venu chercher mes enfants. Et on disait il fait trop chaud, trop d'un coup en fait. Et c'est épuisant, la fatigue c'est épuisant. Et là le fait qu'en plus il y a la chaleur, j'ai dit la fatigue ? Je sais plus. La chaleur, j'ai très mal à la tête, ça me fait même mal dans la mâchoire. Mais c'est pas grave, je suis contente parce que j'ai eu mon agence immobilière au téléphone aujourd'hui. Et je pense que fin de semaine je vais être fixée. Alors je sais pas, j'espère le savoir avant de vous monter le vlog. Autrement je vais devoir couper la partie de lundi. Je sais pas mais j'ai trop hâte. J'ai encore bien checké là les presses. Je pense que à la base je voulais racheter qu'une presse. Mais je pense que je vais racheter une presse 8 en 1. Pourquoi? Comme ça me fera deux presses carrées, enfin un rectangle, deux presses à mug, etc. Bon, moi, je fais vraiment que les mugs et ce qui est à plat. Après, casquette et tout, j'en fais pas. On verra dans l'été. Mais ouais, je pense que je vais pas tarder à investir là-dedans pour avoir une deuxième presse. Parce que là, du coup, mon flocage, je l'ai fait moi avec la presse. Ça n'a rien à voir. Ça se décolle absolument pas. Bon, après, dans la durée du temps, dans le lavage, c'est vrai que tout ce qui est en flex, ça se décolle au bout d'un moment. Mais rien à voir avec un fer à repasser. C'est clair, net et précis. Donc je vais voir pour m'en acheter une juillet, août, peut-être en août ou alors peut-être fin juillet, je sais pas mais là il va falloir que je pense que j'en achète une autre pour en avoir deux. Ouais. Et puis voilà, j'ai fait aussi mes miniatures parce qu'au moins quand je rentre de chez ma mère je vais pouvoir vous mettre cette nouveauté, donc le t-shirt plus les carreaux que je fais en sublimation, je vais vous les mettre. Et là je suis contente, il y a une personne qui m'a commandé le même sac blanc que j'ai fait à bandoulière et un sac de course. Donc ça me fera une commande en plus aussi la semaine prochaine à préparer parce que là j'ai attaqué mon planning pour la semaine prochaine. Voilà. Enfin bref, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais aller chez ma maman, on va très bien manger en plus. Et puis on se redit à demain. Demain je vais faire tout ça et je pense que l'après-midi je profiterai de la piscine. Allez, on se dit à demain. Passez une bonne soirée. À demain.
Et coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 24, il est 8h53. J'avais dit que je viendrais un petit peu plus tard aujourd'hui, mais finalement, je viens assez tôt. Je vais travailler jusqu'à midi et cet après-midi, je ne ferai rien. Cet après-midi, je dois appeler quelqu'un et puis après, je vais flâner. Il fait très très beau, hein, regardez. Très 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 beau. Aujourd'hui je crois qu'il nous annonce 31 ou 32. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des tapis de souris. Je vais aller faire je sais plus ce que j'avais noté. J'avais noté de faire le je me rappelle plus comment ça, le coussin, enfin le nuage, mais je pense que le nuage je vais l'attaquer demain pour le finir vendredi, absolument qu'il soit fini pour vendredi, parce que là aujourd'hui je vais y aller mollo, hein. Hier soir j'ai passé une trop trop bonne soirée chez ma mère, on a bien mangé, donc j'étais avec mon frère et sa copine, c'était juste génial. Et là aujourd'hui je suis très fatiguée parce que je me suis couchée super tard. C'est pour ça, là je vais faire les en fait je vais faire ce qui est en sublimation. Je pense que je vais faire les tapis de souris et je vais aussi faire le flocage pour le faire la découpe pour le nuage, comme ça sera fait. Aujourd'hui il faut que absolument je recommande du flex et aujourd'hui je pense que je vais commander aussi mes petites étiquettes. Normalement aujourd'hui je reçois mes cartes, donc si les cartes sont jolies et bien ce que je veux, et ben je vais les commander. Voilà, je vais les commander, je les reçois aujourd'hui les cartes, donc au moins je pourrai voir. Mais recommander du flex parce que là j'ai donc 4 t-shirts en blanc pour un garage à faire. Et en tout, après, il y en aura encore 15, je crois, parce qu'il y en avait à faire. Enfin, encore 16. Mais là, il m'en a apporté déjà 4. Donc là, normalement, je peux faire 3 de sûr. Peut-être pas 4. Donc du coup, et ça, je voudrais les faire ce week-end. Ce week-end, sachant que dimanche, je vais pique-niquer normalement. Donc je ne serai pas là. Et puis bon, je ne sais pas comment vont se passer les semaines à venir. Hein. Je sais pas. J'ai hâte d'avoir la réponse. Et puis voilà. Qu'est-ce que t'as, Noki? Qu'est-ce que t'as, Noki? Il fait sa petite vie tranquillement, voilà. Hier, j'ai dû le rentrer parce qu'on a un copain de mon fils qui a dormi à la maison. Et c'est délicat quand même quand on a des personnes qu'on ne connaît pas avec des chiens. Donc j'ai préféré le rentrer, donc il n'était pas trop content. Donc là, il va profiter, il dort. En fait, à chaque fois, je regarde en haut, pourquoi, je vais vous expliquer. Parce qu'ici, il y a ma chambre. Et ici, c'est la chambre de ma fille. Voilà, et il dort... Ils sont en train de dormir, donc je vais pas les réveiller. Donc allez, moi je serais bien restée là toute la matinée, parce que là franchement à cet endroit là il fait trop 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 bon. Oh, avec le petit vent et tout, je kiffe. Mais non, j'ai du travail. Et puis j'aimerais bien mettre des choses dans ma boîte aux lettres et envoyer mes enfants cet après-midi poser les lettres, ou alors demain, c'est pas grave, quand ils vont à l'école ils les poseront demain. Mais il faut que j'arrive. Là j'ai déjà 2 colis de sûr qui vont aller dans la boîte aux lettres. Ça serait bien qu'il y en a encore encore un qui puisse rentrer. Je sais pas, mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils seront récupérés que demain. Donc je pourrais les mettre que cet après-midi, une fois que mon propre courrier est passé. C'est tout un truc. Hier, je discutais avec mon frère et mon beau-père, savoir si on n'avait pas le droit de mettre des grosses boîtes aux lettres. Je crois qu'on peut pas. Bon, déjà, il faudrait que je voie où c'est que je puisse la mettre. Mais enlever la mienne, qui est un truc standard pour mettre plus gros. Mais je crois qu'on peut pas. Il faudrait que j'arrive à me renseigner un petit peu, savoir si je peux pas mettre plus gros en boîte aux lettres. Ouais, ça serait pas mal. Allez, c'est parti. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai bien travaillé. Il est 1h. J'ai fini tout ce que je voulais. Là, nous avons, hop, je vais essayer de vous faire voir. Il y a 3 colis Simo qui vont aller de suite dans ma boîte aux lettres qui seront récupérés demain. J'ai, hop là, j'ai aussi emballé, hop, 3 enveloppes que mon fils va aller chercher. Elles sont déjà timbrées. Et ces 2 colis-là partiront, enfin, je les mettrai demain après-midi dès qu'ils m'auront récupéré les autres. Et ils partiront vendredi, du coup, voilà. Et puis, j'ai fait ceci. Hop,
je l'ai fait, finalement, j'ai tout fait mon nuage. J'ai fait aussi pour ma copine, voilà, qui m'a été commandée, je pense qu'elle va venir le chercher peut-être demain, le petit vanity en simili cuir. Voilà, j'ai travaillé, franchement, j'ai travaillé parce que j'ai fait le nuage à fond, entier, pas à fond. J'ai fait le vanity, et croyez-moi qu'un nuage, c'est très très long. Hop! C'est très 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 long. Là, il me reste plus qu'à aller mettre ça dans la boîte aux lettres. Vider mes poubelles comme ça. Ma poubelle, je vais la mettre dans mon chariot. Et puis voilà, je suis trop contente. Et du coup, j'ai fait les 3 tapis de souris aussi que j'ai emballés et que mon fils va les poster tout à l'heure. Normalement, je dois récupérer là. Peut-être que le courrier est passé. Je vais aller voir si j'ai reçu mes cartes. Si j'ai reçu mes cartes, je vais commander les petites. Vous savez, moi, je mets des petites pastilles sur mes envois, donc du coup il faut que je fasse ça. Il faut que je voie aussi pour acheter du flex parce que j'ai sûrement une grosse commande, hormis la commande garage que je vous avais parlé, là c'est pour un autre truc, donc du coup là ça se compte en beaucoup. Donc déjà je vais m'en racheter pour en avoir moi pour faire les t-shirts là qui m'ont été commandés, et puis je pense qu'il va falloir que j'en achète beaucoup là parce que j'en aurai beaucoup. Et puis il faut que je regarde aussi pour les cartons, parce que ces cartons là, en fait je vous explique, ces cartons là, moi je peux en mettre 4 dans ma boîte aux lettres, après j'ai plus de place, sauf que j'en ai plus du tout, j'ai fini le dernier là. Donc du coup il faut que je retourne sur le site et je pense que je vais recommander des cartons, peut-être pas des enveloppes parce que là j'ai encore les enveloppes, vous savez, comme je vous ai fait voir là, parce que celles de chez Action elles sont bien, mais bon, faut que j'aille à Action, donc voilà, c'est mort là, je préfère les recevoir direct à la maison, mais là des enveloppes ça j'en ai. Et puis voilà, donc faut que je commande les petites vignettes parce qu'il m'en reste 3 ou 4 et je pense que d'ici la fin de semaine j'en aurai plus. Et puis demain du coup j'ai la commande pour la dame que je vois lundi en main propre à faire. Et en fait tout mon programme de vendredi je l'ai déjà fait. Donc soit vendredi je le prends pour moi, mais je pense que je vais avancer sur les commandes de la semaine prochaine. Ah mais non, déjà vendredi je vais faire les t-shirts. Ah, je vais peut-être les faire demain, peut-être. Non, je les ferai vendredi les t-shirts, ça sera mieux. Mais je suis trop contente, donc moi je vous reprendrai tout à l'heure. Parce que voilà, là, pour l'instant je vais aller mettre ça, voir si je reçois mes cartes, je vous les fais voir. Et puis voilà, après moi j'ai un coup de téléphone cet après-midi. Donc du coup, et puis voilà, après c'est mercredi, mais je suis trop contente parce que mon programme de demain est fait, du coup. Enfin, est pas fait, non. C'est pas vrai, parce qu'à la base, jeudi, vendredi, j'avais dit je ferai le nuage et je l'ai fait là. Comme ça, je vais envoyer un message à la personne, comme ça, elle va pouvoir le récupérer aussi en main propre, parce que c'est une personne que je connais très bien, c'est ma coiffeuse, voilà, qui m'a pris ça pour sa nièce, voilà. Donc allez, moi je vous dis à plus tard, là j'entends mes enfants, j'ai mangé là, ma fille m'a apporté des pâtes. J'aime pas les pâtes, mais c'est pas grave. Là, je vais aller faire ce que j'ai à faire, puis après je vais aller mettre dans le jardin, puis peut-être la piscine cet après-midi, après mon coup de fil. C'est fort possible parce que là les enfants sont dans la piscine. Je ne sais pas si vous les entendez, ils hurlent. Enfin bref, enfin ils hurlent et ils se chamaillent. Enfin ils jouent, hein, voilà. On n'est pas en train de les... Hein, non, tout va bien. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, il est guère plus tard que tout à l'heure, j'ai ma factrice qui vient de passer, je suis trop contente, elle m'a récupéré mes colis. En fait, elle m'a laissé, il rentrait pas, lui, dans ma boîte aux lettres. Donc, elle a sonné, elle m'a dit, je peux les récupérer si vous voulez maintenant. Je dis, prenez-les, comme ça, les deux autres, je vais aller faire les colis Simo, là, après, là. J'étais sur Vistaprint en train de voir pour les étiquettes. Et du coup, je vais aller lui poser, comme ça, demain, elle peut récupérer les deux colis. Comme ça, je suis trop contente, ouais, je suis trop contente. Et là, du coup, bon, je vais garder ce colis en attendant que je commande les autres. Et je viens de recevoir mes nouvelles cartes. Donc il y avait un petit truc avec. Je pense que... Je sais pas ce que c'est trop. J'en sais rien. Voilà, c'est pour nous faire voir. Mais j'étais en train de voir mes flyers. Parce que je sais pas si vous voyez derrière là. Ma copine m'a fait un flyer. Mais j'aimerais quelque chose... Ou alors non, je vais carrément prendre la photo et je vais les imprimer sur Vistaprint. Ça, je peux faire ça aussi. Bref, je vais voir. Et là, je viens de recevoir mes cartes. Donc, j'en ai acheté 100. Comme ça, au bout de 100, je regarderai si elles sont trop belles. Si je change le design, on verra. J'aime pas trop quand ça soit toujours la même chose. Du coup, voilà mes nouvelles petites cartes. Voilà mes petites cartes, donc j'ai rajouté du coup mon numéro Sirette. C'est le même design que les autres, si ce n'est que l'autre, j'avais l'autre logo. Et là j'ai mis des petites étoiles, je suis trop contente. Donc là j'ai pris sans les enveloppes, parce que ça sert à rien les enveloppes je trouve. J'ai toujours mis pour, comme ça je marque à chaque fois le prénom de la personne. C'est un petit geste qui fait, voilà. C'est vrai que je pense pas, je pourrais mettre un petit mot derrière, à voir.
à voir, on verra. Donc du coup je suis trop contente. Ben, du coup vu que le rose on le voit trop bien, ben, je vais aller de suite commander mes petites étiquettes rondes. Et puis je vais voir pour commander mes flyers. Comme ça après je fais mes deux colissimo et après je n'en parle plus. Et je pense que je vais voir pour commander aussi peut-être mes cartons aujourd'hui. Parce que les cartons c'est quand même important. Du coup je lui ai posé la question, vu que maintenant j'ai, je suis une professionnelle, savoir si j'avais un quota à mettre par semaine ou par mois dans ma boîte aux lettres. Elle m'a dit qu'elle savait pas, elle allait se renseigner, mais moi j'ai dit que j'allais appeler à la poste au cas où. S'il faut je vais faire mon compte pro aussi sur la poste, comme ça, ben, de toute façon il faut que j'ouvre un compte pro sur la poste, il faut que je m'occupe de ça aussi. Et puis voilà, donc je suis trop contente. Donc bon, moi je vais faire tout ça cet après-midi, puis je vais profiter de mon rendez-vous téléphonique de l'après-midi, et puis après c'est mercredi, mes enfants rentrent que vers 4 ou 5 heures, et puis voilà. Mais en tout cas je suis trop contente parce que tout va partir aujourd'hui, enfin demain maximum, parce que du coup mes colis ont été récupérés là en avance, donc demain elle me laissera les bordereaux, demain elle me récupère les deux autres, donc j'en aurai plus. Ça je vais appeler, enfin je vais envoyer un message à ma coiffeuse, comme ça elle viendra le récupérer peut-être ce soir, et puis les enveloppes partent cet après-midi aussi, donc je n'aurai plus rien, je serai à jour. Et puis voilà, j'attaquerai plus que la commande demain pour la dame que je vois lundi, et puis après ma semaine sera finie. Je pense que vendredi je ferai les flocages des t-shirts pour le garage que mon frère connaît, et puis voilà, puis après on attaquera lundi, parce que ce week-end dimanche je vais pique-niquer et samedi peut-être pique-niquer aussi, je ne sais pas encore, donc je pense pas rester beaucoup à la maison ce week-end, donc voilà, je vais pouvoir m'évader. En tout cas moi je vous dis à demain. Il n'y a eu rien de trop palpitant aujourd'hui, mais c'est pas grave, on se retrouve demain pour un peu plus de bonheur. Donc mon gros bonheur du jour est que mes colis, ça va être tout géré, et surtout j'ai reçu aussi mes petites cartes, voilà, j'avais trop hâte de les recevoir. Allez, je vous dis à demain. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes jeudi 25 juin, il est 8h09, mes enfants viennent de partir à l'école, les deux grands sont partis au collège depuis une demi-heure à peu près. Alors aujourd'hui je viens, du coup plus tôt, je m'étais fixée à 9h, mais je pense que ça sera à partir de 9h quand je serai fatiguée, quand ça sera les vacances et quand ça sera le mercredi matin, voilà. Aujourd'hui j'ai du travail à faire, hier j'ai voulu mettre un colis dans ma boîte aux lettres, il ne rentre pas. Donc du coup je vais y arriver. Je suis fatiguée, clairement j'ai appris une mauvaise nouvelle hier soir et j'attends les nouvelles là pour savoir un petit peu. Donc du coup ça m'a un petit peu empêchée de dormir, je suis pas arrivée à dormir après ça, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup oui, là je vais le changer directement, je vais faire le stickers qu'on m'a commandé. Arrête Nuki, viens pas me lécher, t'es mouillé là. En plus il a pas été gentil Nuki, parce que ce matin dans le garage j'ai nettoyé des choses que je ne nettoyais jamais, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il a pas été très gentil, bon c'est notre faute, hier on est rentré trop tôt. Et ouais, je vais aller faire le stickers, comme ça j'emballe le colis. Celui-là, ces deux-là vont partir ce matin, enfin en début d'après, mais venir récupérer. Et j'en aurai un autre qui partira, je pense, soit ce week-end, soit lundi pour la Suisse, voilà. Et après je pense que je vais être OP, et la semaine prochaine j'attaquerai sur les nouvelles commandes. Donc là voilà, j'ai du boulot ce matin, hormis ces deux trucs là, ben, faut que je voie ce que je vais faire, parce qu'après j'ai trois choses à faire pour lundi. Donc du coup je sais pas si je vais m'avancer aujourd'hui ou de demain, je ne sais pas encore. Et puis voilà, aujourd'hui il fait très chaud, hier je me suis baignée, ça faisait du bien, il était à 28-29, franchement c'est même trop chaud. Là je sais pas combien elle est, mais franchement elle est déjà chaude et elle est bleue. Ça fait plaisir, en plus j'ai remis du chlore ce matin. Et puis voilà, il est toujours au même endroit hein, comme d'hab. Voilà. Enfin bref, donc du coup moi je vous reprendrai un petit peu dans la journée. Hier je sais plus si je vous l'ai dit que j'avais commandé du coup mes stickers ronds, mes cartons. Qu'est-ce que j'ai commandé aussi, mes flyers. Et hier soir je me suis fait mes croquis pour des choses d'emballage, toujours sur Vistaprint. Et en plus de ça, hier soir on a trouvé ce qu'on allait mettre comme goodies dans vos envois. Donc c'est quelque chose qu'il n'y a personne, enfin personne le fait. Donc en plus ça va être totalement
fait main. Mais voilà, je vous en dis pas plus, je vous en dirai plus plus tard quand ça sera fait. Mais je pense début du mois, je pourrai vous en dire plus et je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous le dire. On a bien sûr écarté le chocolat, on a bien sûr écarté les bonbons, pourtant j'avais les calissons qui sont de chez moi, mais voilà, on l'a écarté. On a écarté la création fait main, on a écarté, bon, le petit mot, pourquoi pas le faire. Ce que je vais faire à partir du 1er juillet aussi, c'est que vous le savez que moi là, je vous ai parlé depuis 3 semaines, un mois, qu'il y allait avoir une vraie boutique qui sortira cet été, parce que là j'ai un autre projet en attendant qui va passer avant. Et je vous avais parlé, je crois, il y a 15 jours, 3 semaines sur le vlog, que une fois que mon concours était terminé, j'attaquais sur un concours sur ma page, donc de la boutique. Donc ça, je vais le mettre en place, je pense, parce que le concours va être tiré soit lundi, mardi, je ne suis pas là toute la journée, ma soeur a besoin de moi. Et je pense le faire mercredi 1er, comme ça, ça attaquera un mois tranquille. Et je pense que je vous sortirai le concours pour le week-end qui suit sur la boutique. Et voilà, donc voilà ça pour les nouveautés. Et du coup, je vais sortir là... Je sais pas si je le fais en même temps que la page ou pas, mais à partir du 1er juillet, je comptais que sur tous les envois, j'allais vous mettre un chiffre. Et peut-être que dans le mois, voire le mois d'août, je tirerai au sort une, deux, trois personnes pour faire gagner quelque chose, je ne sais pas encore, mais j'adore ce concept. Le seul truc, va falloir que bien que je note les envois au chiffre que je suis en fait, parce que moi, tête en l'air que je suis. Donc voilà, mais j'ai trouvé le concept plutôt pas mal, donc pareil, je vais vous le sortir. C'est vrai que ça fait peut-être un mois que je vous parle de tout ça. Et voilà, chaque chose en son temps. Je suis très carrée, donc j'aime que les choses soient carrées. Et là, voilà, j'ai la priorité sur quelque chose. Et tant que ça ne sera pas fait ou que je n'aurai pas une réponse négative, je suis là-dedans. Et après, on passera à la boutique. Mais avant, on passera au concours. Et puis après, voilà, il n'y aura plus que faire cette boutique-là, qui va me prendre beaucoup, 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 beaucoup de temps, mais qu'il faut que je fasse, voilà, qu'il faut que je fasse, ça sera beaucoup plus simple pour moi, malgré que là, je trouve que c'est quand même pas mal simple sur Facebook, mais voilà, j'aime bien les choses carrées. Donc allez, bon, c'est parti, on va attaquer la journée, et ça serait bien qu'à 11h, j'ai fini, parce qu'il faut que je prépare à manger pour midi. Je voudrais faire une salade, j'ai sorti des côtelettes, je voudrais faire une salade, donc il faut que je fasse la salade. Donc voilà, 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 allez, on se dit à tout à l'heure. Bien bonjour, nous sommes à notre jour. Je suis désolée, hier je n'ai pas du tout filmé l'après-midi parce que je suis en train de faire quelque chose. Là aujourd'hui nous sommes samedi, il est 15h20. J'y ai travaillé jusqu'à 2h30 de matin et j'y ai travaillé encore toute la journée. Et là, je vais me poser et je vais clôturer ce vlog. Donc, vous ne l'aurez pas dimanche. Je pense que ce vlog-là, vous l'aurez en décalé. Donc, vous l'aurez peut-être mardi ou mercredi. Mardi, peut-être. Parce que je n'ai pas le temps de faire là le montage avant. Sachant que mercredi, il y aura le tirage au sort. Donc moi, je vous laisse là. Je vous parlerai plus de beaucoup de choses ces jours à venir. En tout cas, je suis très 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 contente. Merci aux personnes qui m'ont aidée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye bye.